Bon, alors je vais activer toutes les images. Clic majuscule clic dans la table de montage. Donc clic majuscule clic sur la première et la dernière image. Donc elles sont toutes sélectionnées. Et je vais faire une copie des images. Donc dans le menu de la palette montage, je demande copier les images. Puis, dans le même menu, je demande coller les images. Coller après la sélection. Ben oui, après les quatre images sélectionnées, je colle. Et voilà. Et puis, je vais demander d'inverser le sens des images. Vous voyez, on a ici la cinquième avec les bras à l'horizontale, puis la huitième, elle a les bras baissés. Je vais donc demander maintenant, menu de la palette montage, inverser les images. Et donc là maintenant, je démarre des bras baissés vers les bras horizontaux. Et quand je joue, ça fait un mouvement d'aller-retour. Voilà. Ridicule, mais bon, ça peut être rigolo. Vraiment, vous êtes bon public. Hein. Bon, vous avez remarqué qu'on a un petit problème avec ce système-là. La quatrième et cinquième image sont identiques en fait. Hein. Ben oui. Hein. Donc je peux en jeter une des deux si je veux que ce soit continu. Et même chose, la première et la dernière sont identiques. Donc je peux jeter la dernière éventuellement. Il y avait des images en trop en faisant comme ça, hein, là où ça se raccorde. Voilà. Bien. Bon, ben, je vais aller enregistrer ça et changer un peu la position des jambes parce que ça ressemble à du n'importe quoi. Bon, de manière plus sérieuse, la marionnette, ça peut servir aussi à modifier des photos fixes quand vous avez fait un shooting et que malencontreusement, il y a un bras ou une jambe qui n'est pas positionnée exactement comme elle devrait. Plutôt que de retourner faire un nouveau shooting, vous modifiez comme ça. Il y aura de la retouche nécessaire, hein, parce que avec notre filet qui est large là, ça fait de la transparence bizarre. Yep.
peu ce que ça dit, ça, comme ça. Oui, elle marche. Ah bah c'est bon. Elle chope à un moment. Elle s'envole pas encore, mais elle essaye. Hein. C'est cauchemardesque. Pardon ? C'est cauchemardesque. Eh oui. Si c'est pour des petites pubs sympas, plus c'est ridicule, mieux c'est. Bon, maintenant, si vous voulez faire de l'animation sérieuse, il existe des logiciels spécialisés. Bon, pas Edge Animate, parce que là, c'est de l'animation HTML5 et c'est pas génial non plus pour animer des personnages. Quand on parle d'animation HTML, c'est pour animer des menus ou des choses comme ça, quoi. C'est pour donner de l'animation sur les pages. Bon, le logiciel qui monte au niveau animation et qui devient une référence, c'est Toon Boom. Comment ? Toon Boom. Donc c'est celui-là qui devient vraiment la référence, en fait. Bon, alors, tout à fait récemment, il y a un logiciel qui est passé en open source, Toons. Donc, à tester. Mais bon, c'est un autre métier aussi. L'animation, c'est autre chose. Et la référence que tout le monde cite, c'est que c'est utilisé par les studios Ghibli. Qui sont quand même pas des nains de jardin en matière d'animation.